Je l'ai souvent dit, j'ai une connexion avec le bois. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun de voir qu'avec un morceau de bois, tu pouvais, il y avait tellement de choses à créer, puis tellement de choses à découvrir. Fait que ça, c'était mon premier. J'ai eu ce truc-là. Puis après ça, il m'a fait mon grader. Par la suite, j'ai eu une pelle, puis un loader, puis un bulldozer. Puis je n'ai eu toutes, à toutes mes fêtes, j'avais un nouveau tracteur. C'était ça, mes cadeaux. Ah, la journée idéale, c'est de me lever, puis après ça, m'en venir travailler ici dans l'atelier. Vraiment, des fois, c'est de pas savoir qu'est-ce que je vais faire de la journée. C'est quand ma journée est pas planifiée de A à Z, quand je rentre dans le shop puis je me dis, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, c'est mon grand-père qui a commencé avec ça. Pendant les journées pédagogiques, ben là, moi, je venais passer mes journées avec lui dans son garage, dans son atelier. Puis là, il a commencé à me montrer comment que telle machine fonctionnait, puis quel bois utiliser pour quelle sorte de projet. Puis j'ai commencé à faire des choses avec carte, ben c'est en haut, son portrait, c'est avec moi, le premier camion que j'ai fait. Ça, c'était pas avec des plans, c'était selon mes connaissances, parce que j'étais conducteur de camion déjà. Puis c'est comme ça que ça a été transmis à moi. Je m'appelle Carl Gendron. Je fais le métier de travailler le bois avec ma propre entreprise, Carzo Finishing. Tout mon secondaire, j'avais dans la tête d'aller comme dans sciences de l'environnement. Puis ça, c'était mon choix de carrière. Puis rendu en 11e année, là, j'ai commencé à avoir une période de questionnement. Mon orientrice, elle m'a demandé qu'est-ce que je préférais faire, puis elle m'a demandé c'était quoi mes loisirs. Puis là, quand j'ai tout énuméré, qu'est-ce que j'aimais faire, là, elle a dit, ben, on voit, c'est clair que l'ébénisterie, c'est vraiment pour toi. J'ai dit, tiens, c'est là qu'on se lance là-dedans. Ah, j'ai parti de Kapuskasing, puis je m'étais en allé à Ottawa. J'ai fait un cours pendant une année consécutive, puis ensuite de ça, ben, je suis revenu ici, puis c'est là que j'ai parti mon entreprise. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans avoir complété mon école. C'est vraiment plaisant d'être bilingue parce que tu pousses tes limites. Tu peux parler aux gens francophones, tu peux parler aux gens anglophones. Fait que, tu sais, je commence à faire un travail pour quelqu'un, ben cette personne-là parle à cinq autres personnes. Puis ces cinq autres personnes-là, ben ils m'appellent, puis eux autres, ben ça se multiplie tout vraiment rapidement. Fait que c'est facile de gagner ta vie quand que les personnes y ont toujours du positif à dire de ton travail puis sont satisfaits avec qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment important d'avoir bonne confiance en soi, puis de foncer. Fait que si t'as un but puis tu veux l'atteindre, ben moi je crois que n'importe qui veut atteindre un but, s'il travaille assez fort, il est capable d'atteindre ce but-là. Mais là, qu'est-ce que j'ai appris de ça, c'est que il faut pas toujours que tu décides à l'avance. Des fois, les choses peuvent arriver spontanées, puis tu prends la vie comme qu'elle vient.